J'ai prédit mieux d'avance parce que ce qu'on va faire, le maximum de partage pour commencer à 21h. Parce que beaucoup de personnes ont dit que non, oui. Chaque fois qu'on fait un live, les gars sont toujours. Les gars ne partagent jamais à temps. Voilà. Et on va se mettre tous. On va se mettre tous en position. Et on va commencer à lancer donc. Voilà, on partage, on commence, on entre, on partage, on commence, on entre, on partage. Et comme ça fait que on a déjà fait notre maximum. Et ça fait qu'on a déjà fait notre maximum. On a déjà fait notre maximum de partage. Et maximum, 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 maximum. On envoie ça loin, 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 loin. Comment dire? Aujourd'hui, on sera dans la suite de ce que nous avons commencé hier. On sera dans leur suite. Voilà. Ne soyez pas. Non, 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 non. Bipez-moi J point. Bipez J point. Aujourd'hui, on va sortir du placard ce qui a sorti. Vous me bipez Bonita. Non, on va l'appeler Bonito. Vous me bipez Parfait Bonito. Donc, vous me bipez Bonito. Vous me bipez J point. Vous me bipez Journaliste sans frontières et vous me bipez Claudicia. On va commencer à les job petit à petit. On va commencer à les job easy easy. On va commencer à les job dans un midi. Notre place s'appelle la vérité. On va commencer à les job. On va commencer à les job dans un midi plat. Donc maximum de partage, vous entrez, vous partagez et n'oubliez pas, objectif, on démarre à partir de 1000 partages. N'oubliez pas, participez massivement au partage parce qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont pas assez de gigas pour suivre ce qu'on dit. Dans les 200 francs de connexion qu'ils mettent, ça leur permet juste de suivre 1h20 de gigas. Les 200 de connexion qu'ils mettent leur permet juste de suivre ça. Donc, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit précis. On est là pour la vérité. Justice pour Martinez. Justice pour Martinez. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons faire la différence entre trouver le coupable, identifier les semeurs de trou. Et les jaloux. Nous n'allons pas laisser aux gens faire n'importe quoi, n'importe comment se fixer. Donc, la première chose que nous avons d'abord à faire, c'est de partager. C'est de partager. Et de partager au maximum. Voilà, tout le monde. On entre dans les groupes de partage. On envoie dans tous les forums WhatsApp. On envoie dans tous les forums WhatsApp, attendez. Plus d'options. Voilà. Voilà, on envoie ça partout. Voilà. Voilà. On envoie partout, vous partagez partout. Pendant ce temps, c'est très simple. Voilà. On partage aussi dans les groupes. Voilà. Vous envoyez ça partout, vous voulez. Il nous reste 5 minutes de partage. Il nous reste 5 minutes de partage. Thank you.
On démarre à 21h. Là, il nous reste 5 minutes de partage, il nous reste. Voilà. Quand les groupes sont comme ça, allez vous taper là-dedans, tac, 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 vous tapez dans tous les groupes. N'hésitez pas. Vous envoyez dans tous les débats politiques. Partout où vous êtes accepté, vous envoyez ça là-bas. Voilà. Ok. Après, nous allons démarrer tranquillement. Avant de démarrer, il faut qu'on soit clair. Je vous ai dit la dernière fois, il manque 3 minutes. Je vous ai dit la dernière fois que quand vous vous connectez, vous bombardez le maximum de partage. Le maximum de partage. Vous envoyez des cœurs, vous partagez. La force d'un live, c'est le nombre de partages que peut procurer ce live. C'est le nombre de partages que peut procurer ce live. Nous allons convoquer l'exhumeur public. Attendez. Nous allons convoquer l'exhumeur public. Celui-là qui a décidé d'exhumer son propre frère. Celui qui a décidé que en Afrique, les gens déterrent les gens la nuit. Mais j'ai pas décidé de déterrer son frère en plein jour devant Mondio Vision. C'est ça le truc. Et il n'hésite pas. Et il n'hésite pas à relancer. Maintenant, il implique la jeunesse camerounaise là-dedans. Avec l'appui des extrémistes Bamileke, avec Kimsen. Les gens m'ont prêté de préciser. Oui, ce sont les extrémistes Bamileke de la base qu'on connaît tous. Et nous n'allons pas laisser ça. Dans une minute, on va commencer. Et nous n'allons pas laisser ça. Nous allons être beaucoup plus percutants auprès des autorités. Pour qu'ils nous disent qui a tué Martinez. Parce que le but des lives, c'est de défendre l'image d'Amoukoubelika et de nous dire qui a tué Martinez. Partagez le live dans tous les sous-sorons de Yaoundé, dans tous les groupes WhatsApp, forums de WhatsApp où vous êtes. On doit nous dire, et nous avons le droit de savoir qui a tué Martinez. Nous avons ce droit là. Mais il y a des personnes, en commençant par J. Après tout le CV obscur qu'il a ici en France, a décidé d'exhumer le corps de son frère tous les jours que Dieu a créé. Pour se faire de l'argent. Il a décidé d'insulter Amoukou Belinga matin, midi et soir. Là où je suis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Avant la mort de Martinez, J'ai point tourné à 400 vues. Depuis que Martinez est mort, J-Point tourne à 20 000 vues.
et ça lui procure de l'argent. J'ai point tourné en près de 7000 euros par live. Parce qu'il a exhumé le corps de son propre frère. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Pour une simple raison. Respectons et continuons à respecter les gens qui sont morts. Quand Jipoy commence à insulter Amoko Bellingham, est-ce que Jipoy vous a dit? Est-ce que Jipoy vous a dit qu'il a rencontré Amoko Bellingham à Paris? Jipoy, j'ai les photos. J'ai les photos quand Amoko Bellingham t'a aussi donné 5000 euros en billets de 500 devant témoin. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Pourquoi tu ne dis pas aux gens que Amoko Bellingham t'a donné 5000 euros quand tu es venu le voir? Je vais te donner la date. Je vais te donner la date exacte. Je vais te donner la date exacte et après je vais publier les photos sur mon blog. Les photos de la rencontre quand tu es venu et comment tu rigolais. Ça date à peine il y a un an. Parce que tu venais pour qu'on te propose un poste de directeur de publication à Télésur. Je vais te, si tu sais, avant que le live ici ne finisse, j'y pointe, commence à poster. Commence à poster. Je vais te dire exactement c'était quand. Je vais te dire exactement. Voilà. C'était le 11 mars 2021. Les photos sont là. C'était le 11 mars 2021. Les photos sont là. Les photos l'attestent. Pourquoi quand tu insultes Amoko Bellingham, Jipoy, tu ne dis pas aux gens que je suis venu voir Amoko Bellingham? Le 10, attendez, je ne vois encore ça pour bien voir. On va se dire nos vérités. Le 11 mars 2021, je te mets au défi. Je vais publier les photos. Pour tous ceux qui disent que je mens, je vous avais dit que Jipoy a demandé à voir le DCC. J'ai mis les audios, on a reconnu sa voix. Cette fois-ci, je vous dis, Jipoy est venu voir Amoko Bellingham le 11 mars 2021 à l'hôtel Georges V. Si je mens, qu'il fasse une sortie pour dire que je mens. Jipoy est venu voir Amoko Bellingham à l'hôtel Georges V le 11 mars 2021. Jipoy a mangé sur le bateau mouche. Il a mangé les homards sur le bateau mouche le 11 mars 2021. Amoko Bellingham lui a remis une somme de 5000 euros en billets de 500 dans un enveloppe. Il y a les photos. Les photos sont là. Je ne raconte pas n'importe quoi. Jipoy a mangé les homards le jour-là. Il a mangé les homards le jour-là. Comme Jipoy raconte partout que oh, Amoko Bellingham, il déteste Amoko Bellingham. Jipoy, le 11 mars 2021, tu faisais quoi sur le bateau mouche avec Amoko Bellingham? Explique. Avant la fin de ce live, tu as intérêt à faire un post. Si je mens, je vais publier cette photo. Vous aimez saboter les gens pour saboter les gens. Ton frère Martinez n'est même pas encore enterré. Tu l'exhumes tous les jours que Dieu a créé.
avec des lives, avec des posts. Tu exhumes le corps de ton frère. Tu es le premier exhumeur des réseaux sociaux. Le tout premier exhumeur des réseaux sociaux. C'est honteux de ta part. Martinez, qui a glorifié Amoku Beringa lors du problème qu'il avait avec Obama. On va rester sur Chipo. Quand Chipo a entendu qu'on avait nommé quelqu'un d'autre directeur, il a commencé à insulter Amoku Beringa tous les jours. Commencé à insulter Amoku Beringa. Maximisez-moi le nombre de partages. Maximisez. Est-ce que J.P.O. vous a dit un jour qu'il a rencontré Amoku Beringa à l'hôtel Georges V? Est-ce que J.P.O. vous a dit un jour qu'il a rencontré Amoku Beringa à l'hôtel Georges V? C'est la question que je suis en train de vous poser. Pourquoi il vous a jamais dit ça? J.P.O. vous a dit un jour qu'il a rencontré le DCC? Moi, quand je parle, je pose les preuves au sol. Quand je parle, je ne tourne pas autour du pot. Là où je suis ici, je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas là par hasard. Si je suis là, ce n'est pas par hasard. J.P.O., on t'a accusé de viol. Dans un restaurant dans le 17e, tu as fait des attouchements sur une fille. J'ai récupéré le dossier. Tu as fait des attouchements sur une fille. J'ai récupéré le dossier. Quand on se lève pour insulter quelqu'un, aujourd'hui, tu insultes Amoku Beringa. Le 11 mars 2021, tu étais dans le bateau mouche avec lui. Ah oui? Je vais décrédibiliser tout ton mensonge pour que l'opinion se focalise sur la vérité, sur l'assassinat de Martinez. Nous devons être focus sur l'assassinat de Martinez. Le mensonge que J.P.O. dit tous les jours. Je vais te toucher, J.P.O., je vais te toucher à tous les niveaux. Demain, je suis ce reporter sans frontières. Ils vont me dire là, ils ont sorti le documentaire. Ils vont nous sortir les preuves de ce qu'ils annoncent. Demain, je suis ce reporter sans frontières. Ne vous inquiétez pas. Et à l'heure où je me trouve là, je me trouve là où j'ai pu rencontrer Amoku Beringa avec les photos à la pluie. Non, on ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. On parle avec des preuves. Les autorités camerounaises doivent nous dire qui a tué Martinez. Nous voulons la justice pour Martinez. Nous ne voulons pas qu'on perde de vue l'objectif de ce que nous demandons, la justice pour Martinez. Nous n'allons pas vous laisser salir des gens à tort et à travers. Nous n'allons pas vous laisser mettre des enfants à l'intérieur. Un exhumeur professionnel, un saboteur professionnel. Là où je suis, c'est là où tu avais rencontré Amoku Beringa. Là où je suis, c'est là où tu as rencontré Amoku Beringa. C'est très important. C'est là où tu as rencontré Amoku Beringa. Ne tournons pas autour du coup. Parce qu'Amoku Beringa a refusé que tu sois directeur. Je te l'ai su. Aujourd'hui, tu l'insultes. Tu lui traites de tout et à toujours. Tu lui traites de tout et de rien. Parce qu'il t'a refusé le poste à télé sud parce que tu n'as pas de compétences et que tu traînes un lourd dossier derrière toi.
tu es animateur, tu n'es pas journaliste. Et je vais te démontrer demain par A plus B que tu as un statut d'animateur. Parce que demain, je suis chez RFI. Demain, je suis chez RFI. Moi, tu me prononces, tu me trouves. Renseigne-toi bien. Je vais te décrédibiliser. Je vais montrer à tous les Camerounais que tu es le pape du mensonge, le pape des fake news. Je vais montrer à tous les Camerounais que tu n'es pas digne de confiance. Partout où tu es passé, tu as mis que de la merde. Partout où tu es passé, que du désordre. Regarde ce qui s'est passé avec la basse. Tu proposes de vendre la basse au DCC ou à un proche du président. Les audios sont formés. On entend ta voix. Après, tu as entendu dire que oh, c'est le sabotage. Qui peut te saboter? Dis-moi une personne même qui veut te saboter. Aucune. Moi, quand je parle, j'envoie les preuves. La photo où tu es sur le bateau mouche avec Amoukou Belinga, j'ai la photo là. La photo où tu manges les homards avec Amoukou Belinga, j'ai la photo là. On a dit qu'on va creuser. On a dit qu'on va creuser. Creusons. Parce que vous êtes toujours comme ça là. Vous aimez toujours attaquer les gens qui vous aident. Vous attaquez toujours les gens qui vous viennent en aide. On ne sait pas pourquoi. C'est toujours la jalousie. C'est toujours la jalousie. Toujours la jalousie. Toujours la jalousie. Aujourd'hui, on voit comment tu insultes à Amoukou Belinga. Dis aussi aux gens qui te suivent, j'y pointe. Dis-leur que Amoukou Belinga m'a donné 5000 euros sur le bateau mouche quand on mangeait les homards. Les photos sont là. Les photos sont là. On fait comment? On fait ça comment? On dit quoi maintenant? Pourquoi tu ne le dis pas? Je te mets au défi. Je te mets au défi. Partagez-moi le live. Parce qu'il y a des gens, quand ils insultent les autres, posez-vous des questions. Posez-vous des questions que, comme j'ai pour insulter Amoukou Belinga tous les jours, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché est que, on lui a proposé, il est venu voir, il n'est pas le seul. Claudicia en téléchargement. Mettez Claudicia au show. Pour Claudicia, alors c'est grave. Parce que pour Claudicia, on a son dossier où il a demandé qu'il veut être directeur de Vision 4. J'ai le dossier. Je me suis posé une seule question. Pourquoi Claudicia attaque Amoukou Belinga? Au lieu de demander aux autorités camerounaises de trouver le meurtrier, de faire la justice. Claudicia entre dans la même branche que Jibron pour attaquer Amoukou Belinga. Claudicia, ton dossier de demande d'être directeur, je te laisse sur, est dans ma main. On fait comment? Claudicia, tu n'es pas digne de crédibilité. Ton dossier, c'est sur ma page que je vais publier ton dossier de demande de poste de directeur à Télé-Sud. Ton dossier là, ça est là. Ton dossier là, ça est là. Et Amoukou Belinga ne t'avait pas donné de suite. Amoukou Belinga t'avait dit qu'il verra ce qu'il veut faire. Ça veut dire que Claudicia veut être directeur. J-Point veut être directeur. Mais J-Point, est-ce que tu savais que Claudicia avait aussi envoyé un dossier au groupe L'Anecdote pour être directeur à Télé-Sud? Tu savais ça? Non, tu ne savais pas. Ah ouais. Quand vous voulez parler des gens, sortez les rancœurs que vous savez envers ces gens-là. Ça veut dire que
J point et Claudie Sia veulent le même poste. Moi, quand je parle, j'annonce les preuves. Pour J point, je vais publier les photos où il est avec Amoukou Belinga le 11 mars 2021. Le 11 mars 2021. Je vais publier les photos là. Et je vais demander à J point, pourquoi tu ne dis pas à tes gens que j'ai rencontré Amoukou Belinga le 11 mars 2021, il m'a donné 5000 euros et il m'a payé un plat au mât sur les bateaux mouches. C'est pas. Non, c'est pas. Vous le cherchez. Sortez J point. Bipez J point ici. Tu ne savais pas que les photos allaient réapparaître. Jusqu'à tu ne savais pas que les photos viennent apparaître. Maintenant, je vais vous montrer que J point dit le contraire. Parce qu'il y a les photos. J point vous a dit qu'il a rencontré Amoukou Belinga. Parlons peu, parlons bien. Non, entre nous, est-ce que J point vous a dit qu'il a rencontré Amoukou Belinga? Au George 5. Est-ce que J point vous a dit qu'il a rencontré Amoukou Belinga? Au George 5. C'est pas. Vous connaissez Paris? Vous connaissez Paris? Je suis sûr que vous connaissez Paris. Je suis sûr que vous connaissez Paris. Vous connaissez. Voilà. J point, ça te rappelle quelque chose? J point, ça te rappelle quelque chose ou pas? C'est-à-dire que deux fois, j'aime quand je parle, quelqu'un reste comme ça et dit que non, oui, ou gassi. J point, ça te rappelle quelque chose? On est où là? Écrivez le nom. Je ne vois pas bien. J point, tu le connais ou pas? Est-ce que tu le connais l'endroit là ou pas? J point, je te veux que tu me dises. Je peux te donner l'heure. Je peux te donner l'heure. Je suis là. Où J point a rencontré Amoukou Belinga, où on a donné à J point 3 heures plus tard 5000 euros sur les bateaux mouches. J point là, tu oublies qu'on t'avait filmé. J point, tu oublies qu'on t'avait filmé. Ah, je suis là où tu as rencontré Amoukou Belinga. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, quand tu as commencé à insulter Amoukou Belinga, commence par dire que j'ai demandé à travailler à Télé Sud. Je suis allé le voir le 11 mars 2021 à son hôtel. Nous avons continué sur les bateaux mouches. Et là-bas, il m'a donné 5000 euros. Amec, amec, quand je suis dans quelqu'un, la suite demain, le prochain live demain, c'est chez RFI. Demain, je suis chez RFI. On va se gérer. Tu as dit que tu... Moi, j'ai le temps. Moi, j'ai le temps. Là, je vais aller faire le live partout où tu as dit. Demain, je suis sur RFI pour montrer aux gens que tu as une carte d'animateur de radio. Tu n'as pas une carte de journaliste. Je vais montrer ça demain aux gens. Oui. Ne t'inquiète même pas. J'espère maintenant que tu sais où je trouve. Tu sais où je me trouve. Voilà. On revient. Ça te va? Ou bien, est-ce que la dose, est-ce que ça commence à entrer la coupe? C'est-à-dire que oh, le genre d'assaisonnement que j'en ai préparé là, j'ai pour tu vas confirmer le code de nom. Nous avons décidé d'être vrais. Tu m'as traité de lever le poulet, non? Actuellement, en Bermoy, je suis au chômage. Partout où tu as la veille avec Amoukou Belinga, je veux serrer là-bas. J'ai les photos du bateau mouche là. Demain, je vais me mettre là où tu t'es filmé avec Amoukou Belinga. Parce que c'est facile de venir à Montrovision. De traiter les gens de tout et n'importe quoi. Et vous cacher aux gens que vous avez mangé avec ces gens-là. Je t'ai sorti les audios. Je t'ai montré les audios où tu négociais pour vendre la base
au DCC ou à un proche de Paul Biya. Les audios sont là. Je vais encore te montrer ce soir et je vais te publier ce soir les photos de ta rencontre avec Amoku Pelinga au Georges V. Et les gens n'ont pas voulu sortir ça. J'ai dit, envoyez-moi ça. Je vais le traiter. Donc, je vais montrer à tous ceux qui te suivent bêtement que le J-Point que vous, qui parle tous les jours, voilà les photos là avec les hommes noirs, le 11 mars 2021. Voilà les photos, ils mangeaient les homards. Sur le bateau mouche. Et je vais vous montrer, il est digne de quelle crédibilité. Tout à l'heure, quand je finis le live, j'entre dans le Georges V. Je m'en vais là où il était assis quand il attendait Amoku Pelinga. Oui. Là où il était assis. Parce qu'on lui a pris la photo là. Avec quelqu'un avec qui il était venu. On lui a pris la photo là. Quelle coïncidence. À ce moment, il n'a pas la photo avec Amoku Pelinga. Là où il a la photo avec Amoku Pelinga, c'est sur le bateau mouche. Quand ils sont en train de manger les homards. C'est facile d'insulter. Petit frère, aboguer ou son big traitement. J'ai point, c'est facile. Tu traînes derrière toi des accusations d'attouchement dans les bars du 17e. Tu traînes avec toi la vente de la basse à 2000 euros. Et tu viens insulter Amoku Pelinga. Parce qu'on t'a demandé de préparer le terrain pour diriger l'opinion virtuelle. Pour attaquer Amoku Pelinga. On t'a demandé de préparer le terrain. Tu as préparé le terrain. Mais tu ne savais pas qu'il y a des gens qui connaissent la vraie histoire. Qui savent la vraie histoire. Boris Berton n'a pas encore fini de construire sa maison. Demandez à Boris Berton que l'argent soit d'où. C'est vous qui insultez les gens du gouvernement et c'est vous qui marchez avec eux tous les jours. C'est toi qui insultes Amoku Pelinga matin, midi, soir. Est-ce que tu avais déjà Martinez ou que tu avais pris 5000 euros chez Amoku Pelinga? C'est la question que je te pose. Et c'est la question que je te repose. Est-ce que tu avais dit à Martinez Ogo que tu as pris 5000 euros chez Amoku Pelinga le 11 mars 2021? Martinez Ogo, si tu n'es pas au courant, j'ai point à pris l'argent chez Amoku Pelinga le 11 mars 2021 sur le bateau mouche. 10 billets de 500 euros dans un enveloppe. Quand vous allez voir les gens, continuez à vous filmer. Continuez à vous filmer. Vous ne savez pas là où ces photos-là vont arriver un jour. Vous ne savez pas où ces photos vont arriver un jour. Est-ce que tu pouvais imaginer? Quelqu'un pourrait imaginer que J. Point est venu voir Amoku Pelinga à l'hôtel. Ah, merde! Quelqu'un pouvait imaginer ça? Personne ne pouvait imaginer. Personne. Donc c'est une manière de vous dire, quand vous attaquez aux gens, dites que vous êtes jaloux. Dites que vous avez honte de leur réussite. J'ai point, toi seul, on t'a accusé d'attouchement sexuel. Toi seul, tu ne travailles pas. Tu n'as pas un salaire qui te permet de payer la maison. J'ai point, c'est ta femme qui paye la maison. J'ai point, c'est ta femme qui paye les factures. Ne fais pas, je déteste. Parce que le commissaire m'a dit, amen, le côté là, il faut laisser. Ne fais pas, on traverse de l'autre côté. Je vais regarder la vidéo. Si à un moment donné, tu as parlé seulement de Mélissa, je vais dire à Zoro que ça ne tient plus la route. Œil pour œil, dent pour dent. Quand vous arrivez dans les réseaux sociaux, soyez honnête. Soyez vrai. Tu ne peux pas insulter Amoku Pelinga et on a les photos où tu avais mis. Tu ne peux pas insulter Amoku Pelinga et on a les photos où tu l'attends à l'hôtel. Le 11 mars 2021. C'est clair.
Tu abuses de la mort de Martinez Ogo en inventant les histoires. Tu abuses de la mort de Martinez Ogo en inventant tout et n'importe quoi. Maintenant, l'heure a sonné. On fait comment? Où étais-tu? Où étais-tu le 11 mars 2023? Posez cette question. Posez cette question. Maintenant, Claudicia, pour tous ceux qui veulent me rencontrer à Paris, demain je suis chez RFI. J'entends souvent les gens dire que Amen, on va te nac. Amen, on va te nac. Actuellement, je suis en face du Georges Saint. Ce n'est pas lui. Attends. Ce n'est pas le bruit. Moi, quand il parle, il ne manque pas. Actuellement, je suis en face du Georges Saint. Le Georges Saint en face de moi. Là où J. Point est venu rencontrer Amoko Bellingham. C'était le 11 mars. J'entends les gens dire qu'Amer Kamon te cherche. Amer Kamon te cherche. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Demain, 11h, je suis chez RFI. 14h, je cherche le reporter sans frontières. Ne blague pas. Moi, quand moi je sors, je ne suis pas dans votre petit bruit que Amount to wait. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Il y a des gens qui sont prêts. Parce que moi, je suis prêt. Parce que moi, je suis prêt. Ce n'est pas le haut qu'on fait là-dehors. Il dit, je suis dans le Georges Saint. On va arrêter le petit bruit que les gens disent souvent que on a le bureau, Amen, comment tu cherches, Amen, comment tu cherches. Je suis à Paris pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Maintenant, à tous les fans de J-Point. Si J-Point est garçon, qui disent qu'Amen, comment tu mens. Parce qu'il a publié les photos. Qui disent que c'est les photos montage. On voit. Vous n'avez même pas honte. Maintenant, on vient sur Claudicia. Claudio, tout le monde peut insulter Amoko Bellingham sauf toi. Toi, en tant que journaliste, tu devrais demander justice pour Martinez. Tu ne devais pas entrer dans les polémiques. Tu es journaliste. Ton problème, c'est de demander justice pour Martinez. Et de mettre la pression aux autorités pour que justice soit faite. Tu ne peux pas venir commencer à calomnier et à faire des suppositions chez quelqu'un que tu allais demander le travail. Parce qu'Amoko Bellingham devait changer son directeur. Et tu as reçu l'information, tu as déposé ta demande. Alors, tu le critiques pourquoi? Tu critiques quelqu'un chez qui tu vas aller demander le travail. Quand tu as attendu qu'il a donné à quelqu'un d'autre, ça vous énerve. Pourquoi ça vous énerve? Quelqu'un me donne rendez-vous là, je le vote. Je dis, quelqu'un me donne rendez-vous là, je le vote. Vous parlez trop. Je suis en face du Georges Saint. Et quand tu viens charger, parce qu'il ne veut pas entendre qu'en qu'il mouvement, tu viens charger. Parce que là, vous voulez bring l'histoire-ci là. Vous voulez perdre les gens pour rien. Vous voulez perdre les gens pour rien. Laissons les autorités. Je dis et je répète. Laissons les autorités mener leur enquête. Tranquillement. On continue. Vous rappelez l'affaire Bonito, Bonita. Vous vous rappelez de l'affaire Bonita? Parfait. 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 Les gens peuvent insulter Amoko Bellingham. Les gens peuvent manquer de respect à Amoko Bellingham. Parfait, toi aussi. J'ai le A0. Parfait, toi aussi, tu vas entrer dans les gens qui insultent Amoko Bellingham.
après tout ce qu'a Mugubelinga a fait pour toi sur l'histoire du viol. Oh non, non. Toi aussi. Les Juifs ont insulté. On comprend leur frustration parce qu'ils ne sont pas jetés les Juifs. Toi aussi, tu viens. Amugubelinga t'a pris comme un enfant. Pourquoi tu ne dis pas aux gens comment on t'a indemnisé? On t'a pris comme simple journaliste. On t'a mis directeur. Et tant que tu n'avais pas le niveau, on t'a mis comme directeur. Maintenant, on t'a licencié. On t'a donné combien lors de ton licenciement? On t'a donné 9 millions. 9 millions. Maintenant, quand Mugubelinga t'a appelé dans son bureau, Mugubelinga t'a donné combien? En dehors des 9 millions que Mugubelinga t'a donné pour ton licenciement, Mugubelinga t'a donné combien? 25 millions. On parle de quoi? Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Avant d'insulter Mugubelinga, dites d'abord que Amelinga Mugubelinga a fait ceci pour nous. Parfait. Parfait. Tes frais de licenciement, tes frais de licenciement s'élevaient à 9 millions. À 9 millions. Tes frais de licenciement s'élevaient à 9 millions. Sérieusement. Amugubelinga t'a appelé dans son bureau. Il t'a donné 25 millions. Les autres 5 millions, c'est un collaborateur qui a pris ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et quand on vous sort les vérités, vous commencez à parler. C'est une vérité. Sortez les vérités. Sur J.Point, c'est une vérité. Sortez les vérités quand vous parlez des gens. C'est tout ce qu'on vous demande. D'être vrai envers vous-même. L'histoire du viol. Comment tout le bloc était derrière toi. Comment les gens ont supplié pour que tu ne partes pas en prison. Maintenant, c'est comme ça que vous le remerciez. Maintenant, c'est comme ça que vous le remerciez. Et vous ne voulez pas que les gens parlent. N'importe qui se lève à son tour. S'il y a deux personnes qui ont coupé les gars, conçu les maisons, il y a Parfait, il y a Ernest Obama. Il n'y a qu'à vous deux. Quand ont coupé les gars, conçu les maisons. Maintenant, vous levez pour gâter son nom. Naya. Ouais. C'est toujours pour la jalousie. C'est toujours pour la jalousie. Parlons peu, parlons bien. Vous aimez entendre que, oh, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. 25 millions. 25. Plus 9 millions. Je ne compte pas la maison qu'il a construite clé en main. Parce que le CV est là. La maison qu'il a construite clé en main, Bancomo, il t'a dit prends. On t'a donné la maison clé à main, prends. Voilà comment tu le remercies. Partons, on va le calomnier, tu es là. Voilà comment tu le remercies. Parce que tu es chez un fauteuil maintenant. Hey, mamma mia. Massa. Oh, mia live, c'est mia live. Vous savez que mia live. Allô. Et c'est ça. Oh, vous me décevez beaucoup. Et on remarque maintenant l'hostilité
on remarque maintenant que tous ceux qui ont insulté Amoukou Belinga aujourd'hui, ils ont mangé chez Amoukou Belinga hier. Ils ont mangé chez Amoukou Belinga hier. Tous ceux qui l'insultent aujourd'hui. Après, on va venir parler. Vous ne voulez pas qu'on parle pourquoi? Mais c'est la vérité qu'on sort. Tu es venu manger chez moi, tu m'insultes. Je vais quand même dire que. Hey, parfait. Avant de critiquer Amoukou Belinga, indemnisation. Les frais d'indemnisation, 9 millions, plus 25 000. Mais à qui? Plus les frais de licenciement. Et c'est eux qui se lèvent pour insulter Adama. L'histoire de Bonita. L'histoire de Bonita. Comment le boss s'est cassé les pieds sur l'histoire de Bonita. Mais est-ce que tu veux qu'on revienne là-dessus? Question. Les affaires de Petit Nga dans les bureaux. Est-ce que vous voulez qu'on revienne là-dessus? Question. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas. C'est parce qu'on ne veut pas étaler votre. Ouais. Oui, d'abord, Bidi, non. C'est parce qu'on ne veut pas. En passant, bien chargé. C'est parce qu'on ne veut pas étaler votre petite vie. Dehors. Voilà pourquoi on est là. On reste tranquille. Mais restez tranquille. Ne veut dire pas qu'on n'a rien à dire. Restez tranquille, ne veut dire pas qu'on n'a rien à dire. C'est par respect. C'est par respect. Certaines personnes peuvent insulter Amoukou Belinga, mais pas vous. J'y pointe. Quand tu insultes Amoukou Belinga, dis d'abord qu'il t'a donné 5000 euros. Dis que tu es venu t'asseoir ça à son hôtel comme ça, là, que tu attendais qu'il finisse pour qu'il descende pour venir te voir. Tu as oublié? N'importe quoi. C'est aujourd'hui que Martinez meurt pour comme Martinez. C'est-à-dire que tu profites du cadavre de ton frère pour le vendre virtuellement. Et non, on ne doit pas parler. On va parler pourquoi? Nous devons tous nous focaliser. Pour que la justice soit faite sur Martinez. C'est là-bas l'essentiel. J. veut nous enlever dans l'objectif final. Parce que demain après demain, quand Amoukou Belinga va sortir, on va encore dire quoi? C'est la fin de l'enquête? Focalisons-nous. Mettons la pression aux autorités pour qu'on nous dise vraiment qui a commis cet acte audio. C'est tout. À part ça là, nous on le demande, moi particulièrement, moi ce qui me concerne de toute façon, je veux la justice sur la mort de Martinez. Soutenir Amoukou Belinga dans les moments difficiles ne veut dire pas que on ne veut pas la justice, qu'on ne vous manque pas. Nous voulons tous qu'il y ait justice. Nous le voulons tous. Je ne connais personne. Je dis bien personne qui ne veut pas que justice soit faite. Au lieu de nous intéresser, de nous focaliser sur Amoukou Belinga, focalisons-nous sur les autorités camerounaises. C'est à ce moment qu'on veut voir la compétence de nos services. C'est à ce moment qu'on veut voir l'acharnement au travail des autorités camerounaises pour qu'on nous dise qui a commis ce meurtre odieux. Au lieu de faire ça, J'ai pour sa bande d'extrémistes veulent brouiller l'enquête. On envoie l'enquête à Amoukou Belinga. Oh non, c'est lui qui a tué. Oh, c'est lui qui a tué. Parce qu'on a préparé longtemps aux gens que, au cas où ça se passe, on va dire que c'est Amoukou Belinga. Non. Nous avons encore des autorités compétentes ou compétentes. Laissons-leur le temps de trouver qui a tué. Les réseaux sociaux ne sont ni procureurs,
ni enquêteur, ni témoin. Nous sommes seulement là pour donner nos thèses, pour dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Nous ne sommes pas là pour attribuer des crimes et des meurtres sur quelqu'un. Après la fin de ce live, je publie la photo de J. Point avec Amoukou Bellinga le 11 mars 2021. C'est comme ça que ça va se passer. Non. Ton même qui. C'est comme ça que vous êtes toujours. On parle. On doit l'accuser. On doit l'accuser. J. Point, tu te retrouves en train de salir des enfants. Quand toi, J. Point, tu parles d'une petite fille comme Diana. Diana Bouli, une petite fille. Ouais, à Job. Qu'est-ce que Diana voulait avoir avec le meurtre de Martinez? Qu'est-ce que Tik Ndenge? Des enfants, Tik Ndenge. Des enfants ont quoi avoir dans la paix de Martinez? Un peu de grandeur. Un peu de grandeur. C'est la fête de la jeunesse. Tu cites le nom des enfants. Les Tik Ndenge. Les Marcel Kete. Les Loa Mwenga. Les Cabrel. Ils t'ont fait quoi? La jalousie. Tu ne cites que la jeunesse camerounaise qui est en train de réussir. Est-ce que c'est de leur faute si tu as raté ta vie? J'ai point. Ce n'est pas de leur faute si tu n'as pas pu être journaliste et que tu es resté au statut d'animateur. Mais J. Point, je te donne rendez-vous demain à RFI. Demain, je suis à RFI. Il faut que tu dises ça. Demain, je viens te chercher au WOC. Et je vais te traiter de menteur. Je viens te chercher de mon travail. Et quand il va venir, ça sera en live. Ça sera en live. Quand tu pars, dis la vérité. Dis la vérité. N'entre pas dans le mensonge. Tu manques matin, midi et soir. Mais non, dis la vérité. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Ouais, il va te chercher, non? Tu as prononcé, tu as dit que l'éleveur de poulet là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je vais venir, je vais t'expliquer ce que tu m'as fait. Je vais t'expliquer ce que tu m'as fait. Demain, J. Point. On ne va pas te dire. Ouais, je vais arriver en direct. Je cherche J. Point. Je connais où le studio se trouve. Ici là, ligne 9. Ce n'est pas loin, hein. Je connais où le studio se trouve. Donc, pour te dire que n'oublie pas que j'étais déjà sur BFM. On continue. Quelle est cette malhonnêteté? Quelle est cette malhonnêteté? De pouvoir enlever les Camerounais au lieu de mettre la pression sur le gouvernement pour que les autorités nous disent qui a tué. Non. Pour vous, c'est Amoukou Bellinga. Maintenant, Amoukou Bellinga innocent, on fait comment? On fait comment? Amoukou Bellinga innocent, on fait comment? Est-ce que l'enquête s'arrête? Point d'interrogation. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Vous aimez seulement entendre. Oh, on a fait ceci. Oh, on a dit ceci. Oh, on a fait cela. Oh, ceci. Oh, cela. Toujours le bruit. Amoukou Bellinga innocent, on fait comment? L'enquête s'arrête. L'enquête s'arrête. Notre job, c'est de mettre la pression sur ces autorités-là pour qu'on nous dise qui a tué. C'est ça le plus important. Pourquoi vous voulez mettre des gens sur des fausses pistes? Donner des fausses nouvelles?
pour une fois qu'on est conscient de ce qui se passe dans notre propre pays, vous voulez encore nous dérouter, pourquoi? Pourquoi? Prendre le meurtre de quelqu'un, attribuer ça à quelqu'un d'autre. Attribuer ça à quelqu'un d'autre. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Après, quand on va parler, vous allez dire, oh, les gens sont mauvais. Oh, les gens sont mauvais. Les gens ne veulent pas mon bien. Oh, ils vont, ils veulent. Maintenant, on est là. On fait comment? On fait comment? Parce que la vérité ne vous intéresse pas. La vérité n'intéresse pas Chipouan. La vérité ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'on doit condamner Mugubelinga. Voilà ce qui les intéresse. Vous n'avez même pas honte. Même pas honte. Voilà là où tu as rencontré Mugubelinga. Je vais encore aller là-bas de très près. Pour qu'on sache où tu as rencontré Mugubelinga. Voilà où tu as rencontré Mugubelinga. On est au George 5. On est au George 5. C'est là où tu as rencontré Mugubelinga. Tu as honte maintenant. Tu as honte. Vous aimez seulement parler. Vous aimez seulement parler. Voilà où tu as rencontré Mugubelinga. On fait comment? On fait comment? Laissez le gouvernement mener l'enquête comme il le sent. C'est pas possible. Après, vous allez encore dire que oh, les gens se comportent mal, les gens voient mal les choses. Vous allez encore commencer à critiquer tous les jours que Dieu a créé. Vous allez encore commencer à critiquer. Vous n'avez même pas honte. On va voir ça demain. Demain, ça continue. J'avais pour moi dit une heure. Il a dit que bon, ok, je vais commencer à faire ça en une heure. Parce que les gars du pays n'ont pas beaucoup de méga. Salut la famille. Le plus important, c'est que nous voulons la justice pour Martinez. Et je demande au Bamileke, tabassez-moi ces extrémistes au Bamileke qui s'attaquent au vrai Bamileke. Parce que quand un extrémiste Bamileke s'attaque à Cabrel, s'attaque à Kingo, s'attaque à Steve Fah, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec Steve Fah. Hein. Mais admettons quand même qu'il a dit qu'il veut la justice. Moi et Steve Fah, on a des différents sur beaucoup de choses. Mais je ne peux pas accepter qu'on accuse Steve Fah sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Steve Fah a dit justice. Vous n'allez pas dire aux gens de dire que Mugubelinga a tué. Mugubelinga n'a rien à voir sur ce meurtre-là. Rien. J'ai fumé la vérité. Et c'est comme ça. Nous n'allons pas vous laisser manipuler l'opinion dans les réseaux sociaux. Nous n'allons pas vous laisser faire ça. C'est ici que tu as rencontré Mugubelinga. Ici au George 5. Je suis là. Après là, je publie les photos automatiquement. Il dit, je publie les photos. On n'a rien mis. Quand il bolait là, je publie les photos de Mugubelinga en compagnie de Jipouan. Comme ça, vous allez maintenant dire que Amer Kamer, est-ce qu'Amer Kamer manque encore? On est bien d'accord. Laissons les autorités mener leur enquête. En attendant, parfait, Jipouan, Claudie, la jalousie, maman, vous aimez entendre, demain Jipouan, je suis dans ton walk, tu vas m'entendre là-bas non, tu veux m'entendre, je fais le diable pour dire que je m'en vais au walk de Jipouan, tu vous aimez entendre. Tu as demandé qu'on gagne. On va gâter partout. Demain, je suis chez RFI. Tu as compris, non? Ok.
Rendez-vous demain, c'est J-Point. Je vais vous annoncer une heure avant pour qu'ils soient prêts. À demain, les gars.